C'est dit qu'il lève les mains au ciel. Il demande à Allah, ne sait pas pourquoi, parce que mashrabuhu haramun. Mashrabuhu haramun, malbasuhu haram. Ghuziya bil haram. Le mot ghuziya, ça veut dire que quoi? On l'a nourri. Est-ce que c'est ce qu'elle lui disait? Ghuziya bil haram. On lui a donné le haram. Le haram a fermé les portes du ciel. Il demande, Allah n'ouvre pas. Donc il y a des péchés que quelqu'un peut commettre, ça a un impact sur ses enfants. Mais ce n'est pas une injustice qu'Allah fait sur les enfants. Parce qu'il sera responsable pour avoir nourri les enfants avec les haram. Lui, dans cela, il sera responsable. Et ça peut être aussi parce que lui, il a enseigné les voies de l'illicite aux enfants jusqu'à ce que c'est devenu aussi leur sunna. C'est comme ça qu'eux aussi se comportent. Pour avoir été le professeur des enfants, il a son péché et il a le péché. Quand chacun de ses enfants l'a posé un acte interdit, il a un péché pareil à celui de l'enfant, lui qui était le professeur. Parce que le professeur a dit, « Man sanna fi l'islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha duna yanqus min ujurihim shay'a. Wa man sanna fi l'islam sunnatan sayyi'atan, fa alayhi wizruha. Wa wizru man amila biha duna yanqus min awzarihim shay'a. » Donc ça veut dire que si vous voulez être le professeur du bien, vous aurez le bien à l'interrompu. Si vous voulez être le professeur du mal, vous aurez le mal à l'interrompu. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.